Laurent Wauquiez, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir parce que j'avais une question importante à vous poser. Regardez. C'est quoi cette position? J'ai jamais vu ça. C'est quoi? Vous avez déjà visité des usines de tourneurs de bois? Voilà, non. Ça ressemble à ça. Ah. Ça raidit la cravate quand même. Hein. Je suis d'ailleurs le seul à continuer à en porter. Hein. Ouais. Alors, vous avez été ministre de la Recherche. Est-ce que vous avez trouvé? Je cherche encore, mais si vous voulez m'aider, ça m'intéresse. Des affaires européennes, de l'emploi, porte-parole du gouvernement, 4 postes en 5 ans. C'est très suspect. Vous savez qu'avec un CV comme ça, personne ne vous engage. Hein. Il y a deux options. Hein. Soit je suis génial, mais tout le monde ne s'en est pas encore aperçu, soit il y a un petit problème sur les nominations au gouvernement. Oui, ça, c'est ça. Et ça, c'est pas exclu. À mon avis, c'est ça. Donc aujourd'hui, vous êtes vice-président de l'UMP, député de la Haute-Loire et maire du Puy-en-Velay, mesdames, messieurs. Chamalière. Eh oui. Alors, tu sais ce que c'est, ça? C'est We Are the World repris par Patrick Sébastien. C'est énorme, quand même. J'apprécie l'hommage. Alors, Laurent, en 2010, vous avez fondé la droite sociale. Mm-hmm. Alors, la droite sociale, c'est un peu un oxymore comme la force tranquille, quoi. Vous imaginez les verts pollueurs ou les communistes capitalistes, quoi. Eh ben, j'assume. Je pense qu'en France, on fait plus de social. Ouais. On verse des chèques, on achète le silence des gens, ouais. On les aide pas à repartir. Et moi, ce pourquoi je plaide, c'est pas de l'assistanat, c'est l'insertion par le travail, c'est l'équilibre entre les droits et les devoirs. Mais je pense que la droite peut aussi faire du social intelligent. Le cancer de l'assistanat, c'est vous, ça? Mm-hmm. C'est social, ça? J'ai dit que l'expression, je la regrettais parce qu'elle n'était pas bonne, mais que le fond, je le maintiens. Les racines chrétiennes de la France, c'est social, ça? Ouais, ça n'a rien à voir, c'est juste une évidence. Enfin, voilà, c'est notre histoire. Et c'est un pays laïque, ça veut dire pas de communautarisme. Le communautarisme triomphant, c'est social, ça? Oui, le communautarisme triomphant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, plus personne se respecte, plus personne se supporte. Mmh. C'est dans les piscines, on demande des horaires différenciés. Mmh. Voilà, moi, je suis contre ça. Mmh. Je pense que la République, elle s'est construite sur la laïcité, c'est ce qu'il faut défendre. Jean-Luc? Je sais que Bernard Laporte, qui est un ami personnel, je lui ai dit, il y a M. Wauquiez qui est là, il me fait, c'est un beau mec. Ouais. Et ouais, c'est... Alors, l'abrogation de la loi sur le mariage gay et lesbien, c'est social, ça? Je suis attaché à l'idée de ce qu'est une certaine conception de la famille, de la filiation. Je me suis battu contre cette loi. Je trouve assez faux cul d'aller ensuite expliquer, bon, bah voilà, on ne reviendra pas contre. C'est mes convictions. Mais quand vous draguez Frédéric Mitterrand au Conseil des ministres, alors c'est quoi? Vous qui connaissez Thierry Frédéric Mitterrand. Très bien. Vous savez très bien que si jamais on doit faire la liste de tous ces fantasmes, va falloir écrire au moins 2 à 3 bouquins supplémentaires. Tu connais l'histoire? En plein Conseil des ministres, ouais. Il y a Frédéric Mitterrand qui lui envoie « Pourquoi tu me regardes avec cet air langoureux ?»« Pourquoi tu me regardes comme ça avec cet air langoureux ?» Et alors, qu'est-ce que vous répondez, alors? Parlez, monsieur Wauquiez, qu'est-ce que vous répondez? Je refuse de répondre à ces questions, monsieur Reichmann, c'est le secret du Conseil des ministres. Alors, vous dites que vous voulez en finir avec la droite de papa, mais c'est pas pour instaurer la droite de papy, non? Personne ne croit plus les politiques. Ouais. Il y a le problème de la corruption, qui touche une minorité de politiques, oui. Mais avec quand même des scandales à répétition. Donc il y a quand même des grands coups de nettoyage à faire. Mmh. 2, il y a le fait qu'on tient des beaux discours et que les actes ensuite ne suivent pas. Et puis je pense qu'on brasse toujours les mêmes idées depuis une éternité. J'essaye de renouveler tout ça. Ça veut dire d'abord plus d'intégrité. J'ai refusé, par exemple, de toucher la prime d'ancien ministre. Ouais. Quelqu'un qui paume son emploi, le gouvernement ne lui verse pas une prime d'ancien. Non. Un ministre, il reçoit une prime d'ancien ministre. Monsieur Cahuzac touche cette prime d'ancien ministre. Oh là là. Eh ben oui, tout en ayant un compte pas géré par sa mère. Oh. Et ensuite, en Belgique. Oh. C'est pas toi. Ah non, moi, je suis clean total. Écoutez, Laurent, on va faire une interview psy, je pense. Oh là. Laurent Wauquiez, êtes-vous parano? Parano, comme tout présentateur de télé, oui. Schizo. Schizo, non. Même conviction, mêmes idées. Rulio. J'ai beaucoup d'admiration pour le fils. Hétéro.
Hétéro, oui, définitivement. Nympho ? Nympho, ça m'arrive. Maso ? Non. Sado, maso ? Ni l'un ni l'autre. Exhibo ? Exhibo, pas sur votre plateau. Non. Morano ? Morano, j'aime bien, Nadine. Populo ? Populo, au sens de Pascal Obispo, oui, j'aime bien. Mm. Voilà. Est-ce que vous êtes démago ? Démago, non. Disco ? Disco, Daft Punk, oui. Adamo ? Adamo, non. Gigolo ? Gigolo, non. Gros Lolo ? Elle est bien. Je fais de la mystique. J'aime bien le... Vous êtes Gigot d'agneau, vous ? Gigot d'agneau ? Non, moi, c'est plutôt le fin gras du volet. Vous êtes Rocco ? Sifredo, c'est ça, votre question ? Sifredo, oui. Vous êtes porno, sérieux ? Non, mais... Regardez bien YouPorn, quand même, non ? Comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà. Ben voilà. Il est honnête. Il est pas du tout. Il est honnête, comme toi, il regarde YouPorn, voilà, voilà. Mais ouais. Vous êtes pétardo ? Pétardo, non. Vous êtes Coco, non ? Coco, non. Non. Héros, non. Non plus. Non, mais il faut demander à Michel Drucker, si j'ai bien compris. Ah ben, il frappe ses chiens, Michel Drucker. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.